Aujourd'hui, on continue de surfer sur le dynamisme du groupe. On était trois sites, aujourd'hui on est à 9 avec le rachat de Chalon et de le groupe de Besançon. Donc Beaune continue et toujours à être derrière et à soutenir la maison mère, sa vie à Dijon. Ayant une progression de chiffre de 10% par an depuis 2014, on commence à manquer un peu de place. L'agence a quand même 30 ans d'âge. Donc aujourd'hui, c'est vrai, les hommes font la différence. Maintenant, avec un nouvel outil, ça va nous permettre de rassurer, de fidéliser et d'apporter du confort à nos clients. Nous souhaitons développer le secteur d'occasion, qui est un peu notre faiblesse aujourd'hui. Donc on aura quand même le nombre d'occasions multiplié par 3 qui seront à l'abri. Donc ça, ça va être quand même un support énorme pour pouvoir continuer à développer le service occasion. On aimerait que ça soit demain, ça c'est sûr. Ça évolue déjà très très vite, comme vous pouvez le voir. On pense qu'on sera d'ici fin décembre, début 2019, dans le nouveau site. C'est sûr que tous les jours, on en parle, on passe, on voit l'évolution. Chaque collaborateur s'investit et relaie les informations à nos clients. Oui, c'est vrai que ça nous démange. On peut y arriver très très vite.